Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, encore une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque là je vais vous donner les erreurs que j'ai faites et que si j'avais étudié un peu la question avant, peut-être que je ne les aurais pas faites. Donc si vous êtes, on va dire, dans le début du colo, même si je suis loin d'être dans le lointain du colo, puisque... je crois que j'ai dû commencer à colo en 2020. Donc, nous sommes à pas loin de 3 ans de colo. Donc, je suis loin, 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 loin d'être une coloriste expérimentée. Puisque je pense qu'il faut beaucoup plus d'années que ça. Surtout quand on commence de zéro. Je pense que si on a déjà étudié un peu l'art, si on a déjà été une bonne dessinatrice ou coloriste, enfin, plutôt dessinatrice à l'école, si on avait déjà cette petite fibre, bah forcément les étapes sont plus courtes. Mais quand on arrive de... quand il a fallu être giflé par le prof des dessins pour pouvoir avoir des bonnes notes, j'explique la... L'anecdote, pour ceux qui n'assistaient pas à mon live où je l'avais expliqué, c'est que j'étais très très mauvaise en dessin au collège, très très mauvaise. Hein. Et en cinquième, fin d'année, un jeune homme a la gentillesse de me faire tomber mon cartable, puisque j'avais le cartable, vous savez, avec les... C'est plus les sacs de maintenant, moi j'étais au collège avec... Vous m'imaginez, hein, toute petite, avec un gros gros cartable, avec les deux petits boutons poussoirs à l'arrière. Et j'avais un jeune homme, j'étais rangée dans le rang, qui a eu la gentillesse d'appuyer sur les deux boutons. Et là, toutes mes affaires sont tombées. Donc, j'ai ramassé mes affaires. Et, je ne sais pas, un courage m'est apparu. Parce que je ne suis pas du tout comme ça. J'aurais tendance à laisser pisser et à pleurer dans mon coin. Hein, la banane, comme dirait Mélissa. Mais non, là, j'ai eu un courage. J'ai pris, lui, il avait un sac Adidas. Je me revois, j'ouvre le sac, je renverse ses affaires et je jette le sac au fond de la cour, du couloir. Et là, boum, le prof de dessin arrive. Et là, blam, il me gifle. Donc, vous imaginez bien, fin de cinquième, giflé, bon, bah, dans un état pas possible. J'ai pas rendu mon dessin, j'ai eu zéro. Je suis pas du tout rebelle hein, dans la vie et à l'école surtout pas. J'ai toujours eu de très très bons contacts avec mes professeurs, mais là vraiment ils m'avaient giflé, ça m'avait vraiment fait beaucoup de mal. Et donc j'en ai parlé à ma maman et ma maman me dit bon allez on est en fin de cinquième, on va pas le faire chier au mois de juin. Au mois de septembre je prends rendez-vous. Hop, parce que nous on est dans un village hein, donc avec un prof de dessin dans le collège. Boum. Première rentrée scolaire, elle prend rendez-vous avec le carnet de correspondance, avec le prof. Et là, il a mangé chaud, je peux vous dire, parce que ma mère ne touche pas ses enfants, c'est une louve. Et elle a pas, enfin, j'ai pas hérité de son caractère. C'est-à-dire que ma mère ne laisse pas pisser. Et si elle avait pu lui rentrer dans l'art, je pense qu'elle l'aurait fait. Et donc, elle lui a mis une rasera monumentale, mais vraiment. Et de ce jour-là, j'ai été pas la meilleure en dessin, mais presque. Et pourtant, je faisais tout. Des dessins pas terribles, mais j'ai cartonné, j'avais 16 de moyenne en dessin. Enfin voilà, donc pour vous dire, j'ai pas du tout la fibre artistique à la base, donc j'ai fait plein d'erreurs dans mes débuts, et en fait, j'ai regardé quelques tutos, mais je les ai peut-être pris à l'envers, ou pas compris comme il fallait, ou bref, et en fait, j'ai fait des choses que je ne referai plus et que je continue d'améliorer, puisque, attention, ce que je vais vous montrer là, je ne suis pas dans le waouh, super, ça y est, je la tiens, non, non, je travaille encore ces éléments-là, mais pour vous montrer que je suis déjà passée à l'étape où il faut que j'approfondisse ça, mais j'ai déjà passé cette étape d'erreur, voilà. Alors, pas 7 le chiffre, hein, mais 7 CE2TE, 7 étapes de certaines erreurs. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par mon erreur de utiliser qu'un seul crayon pour tenter de faire un semblant de dégradé, notamment sur de la verdure. Donc, j'ai pris pour
donner comme exemple. Attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça. En fait, voilà. Donc, ça, c'est dans le Nice Little Tone 4. Donc, un livre que j'avais, je ne sais pas si vous êtes bien dans les débuts, que j'adorais. J'ai tenté des choses hein, dedans. Alors, je vous rappelle, enfin, pour ceux qui m'ont connu dès le début, au début, je signais mes colos Ouragan. Et quand j'ai ouvert ma chaîne, je me suis demandé si je continuais de m'appeler Ouragan ou si je prenais Virgin Colo. Et Ouragan, dans le monde du colo, ça aurait parlé à personne. Donc, effectivement, j'ai changé de pseudo. Mais je signais Ouragan parce qu'Ouragan, c'est un souvenir de lycée. Bah parce que quand je vous dis que je suis carmouze, un ouragan ça détruit tout sur son passage, bah moi je suis un peu ce style quoi. Les choses ne me résistent pas, des fois je casse un peu des choses. Bref, donc pour illustrer mon propos, j'ai pris un colo où j'ai de la verdure. J'aurais pu prendre celui-ci d'ailleurs. Mais en fait, celui-ci est plus parlant parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais pour essayer de faire de la verdure, je prenais qu'un crayon ou plusieurs, mais dans plusieurs éléments. C'est-à-dire que je n'utilisais pas les trois crayons. Là, par exemple, j'utilisais ce vert-là, ce vert-là, ce vert-là et celui-ci. J'aurais pu l'utiliser dans la même tige. Mais non, j'utilisais un vert pour la tige, un vert pour un peu le buisson, un autre vert pour les feuilles, un autre vert pour ces feuilles-là, vous voyez. Je ne travaillais pas avec les trois crayons sur le même élément, à la différence de celui-ci, par exemple. Alors, c'est pas le meilleur colo de ma vie non plus, hein, mais en fait, c'était pour illustrer mon propos de dire que là, j'ai utilisé trois verres différents, mais que j'ai blendé. Et en fait, vous voyez tout de suite que entre une feuille là et là, on n'est plus du tout sur le même effet. Voilà. Donc, ne pas hésiter à utiliser trois crayons pour un seul élément. Là, j'ai pris trois Prismacolor différents. Et en fait, on voit bien que du coup, j'ai le plus foncé. Et en fait, plus on va vers l'intérieur, plus on aperçoit le colo que je suis en train de faire. On revoit la même chose avec trois autres crayons, trois autres teintes. Pareil pour mes petites feuilles. Comme ça, on a une petite zone de lumière au milieu que je n'avais pas du tout. Voilà. Alors déjà, là, c'est de la plat. Là aussi. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais trois crayons, mais je faisais des... Donc, on voit bien la différence de... Donc... L'erreur que je dirais, alors attention, hein, j'en suis pas encore terminée dans mes dégradés, je n'ose pas encore mettre assez de foncé, il faut que je travaille un peu plus mes foncés, mais maintenant, j'ose prendre trois crayons différents pour faire des zones, et même sur des petites zones. Donc ça, c'était la première erreur que je dirais, enfin, c'est pas une erreur, c'est la chose que je n'osais pas faire. On ne peut pas appeler ça d'erreur. Pour moi, une erreur, c'est on fait mal la chose. Là, c'est je ne savais pas faire et je me suis apprise à faire. Donc, c'est les erreurs, mais entre guillemets. Puisque l'erreur, c'est faire quelque chose qu'on regrette parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Or là, c'est un système d'apprentissage différent, tout simplement. Ensuite, l'autre chose que je ne faisais pas, et que j'apprends à faire, c'est mettre aussi de la lumière dans les cheveux. Donc j'ai, pour illustrer ce propos, pris, voilà, donc un colo de 2020, voilà. Donc vous voyez, mes cheveux sont, j'ai essayé de faire des mouvements, voilà, comme là, mais on est, donc déjà, entre le mois de mai, voilà. Déjà là, entre le mois de mai 2020 et novembre 2020, on voit que j'ai déjà tenté à mettre un petit peu plus, utilisation de plus de crayons, utilisation de plus effet mèche, mais
On n'est pas au taquet. Ici, dans ce colo, on voit que j'ai déjà plus utilisé de zones de lumière, puisque j'ai rajouté du bleu dans mes cheveux noirs. Quelques endroits où c'est un peu plus clair et un peu de signaux blancs pour faire des traces de lumière dans les cheveux. Mais là où c'est le plus parlant dans les cheveux, c'est sur celui-ci, où là, on voit vraiment bien la luminosité. Donc, il y a deux options. Ici, je l'ai travaillé à la manière de Patrick Agoink, où là, j'ai fait mes zones de cheveux avec le feutre à alcool. J'ai utilisé donc sa manière, donc je vous invite à aller sur sa chaîne, Ago les bons tutos, et il vous fait un tuto cheveux qui vous explique avec les feutres à alcool. C'est vraiment top. Ici, j'ai plus utilisé le système de prendre 3, 4 crayons même, un peu de blanc de chez Prisma, et ensuite, une fois que toute ma chevelure était terminée, je suis venue rajouter quelques traits de signaux blancs pour rajouter un peu d'effet lumineux dans les cheveux. Donc, quand on voit mes premiers effets cheveux, je crois que j'en avais pas d'autres. Bah voilà, on a celle-ci par exemple. Voilà, celle-ci où il n'y a absolument aucun effet du tout dans la chevelure. Ici, j'ai essayé de faire des petits traits. Ici, un peu plus. On est en septembre 2020, vous voyez. Et alors, septembre 2020 aussi. Juin 2020, là, on commence à évoluer. Voilà. Mais novembre 2020, on voit bien que j'ai un peu plus essayé. Mais rien à voir avec les deux autres que je vous ai montrés. Mais comme quoi, en utilisant plus, encore une fois plusieurs couleurs et en ajoutant soit du blender à alcool, soit un blender crayon blanc et quelques effets de signaux, on arrive à avoir un effet cheveux un peu plus... un peu plus fini. Donc ça, c'était les erreurs que je faisais aussi au niveau des cheveux. On va dire que c'était ma deuxième erreur que je continue de travailler. Hein. Ne pas mettre de lumière dans les cheveux. C'est dommage parce que ça ternit en fait. L'autre, qu'est-ce que j'ai d'autre comme erreur que j'avais noté? Alors, essayer de travailler la lumière. Donc, on va prendre mon livre de Jet Summer, que j'ai beaucoup, beaucoup avancé aussi, mais c'est vraiment que de l'aplat. Hein. C'est un livre dans lequel je n'ai fait que de l'aplat. Et je voulais illustrer mon propos sur, par exemple, celui-ci. Donc, ne regardez absolument pas le reste. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une lune. Voyez? Alors, moi, la lune, là, elle est là, elle est posée, hein, telle qu'elle. Il n'y a aucun reflet sur ni les ailes, ni le... Voilà, rien, rien, rien. J'ai essayé d'évoluer là-dessus en prenant cette illustration. Donc, je ne sais même pas si j'ai la date de là. Non, je n'ai pas mis. En fait, ici, j'ai essayé de travailler la luminosité. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé du jaune, vous voyez, pour donc en mettre un peu dans les cheveux, sur le bras. Vous voyez un peu la différence, c'est que là, on a une lune qui est censée refléter, elle ne reflète sur rien. Là, j'ai des lumières allumées et j'ai tenté de faire un effet lumineux. Comment je l'ai fait? J'ai posé du jaune après, en fait, pour vraiment positionner du jaune sur les éléments où la lumière reflète. On n'est pas encore sur la perfection de luminosité, mais on voit tout de suite qu'il y a un changement radical entre la zone lumineuse de réflexion de la lune par rapport à des lampes de bureau qui reflètent sur le personnage.
Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je ne savais pas faire et que je n'osais pas faire. Oui, voilà, si je ne vous cadre pas. La prochaine fois, je vous ferai comment filmer une vidéo plus adaptée. Donc, voilà une autre erreur que je faisais et que j'essaye de travailler au plus actuellement. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a une lune, un soleil, des lumières, j'essaye de vraiment travailler le fait de dire, il faut absolument penser que dans la vie de tous les jours, si on a une lumière, elle renvoie quelque chose. Donc, que ce soit une petite lumière de lune ou un lampadaire. Il faut vraiment que je m'habitue à travailler ça. Donc, de plus en plus, je le fais. Je réfléchis à ça quand je me pose sur le colo. Ce que je ne faisais pas effectivement dans mes débuts, où là, en fait, je ne voyais que les. Il n'y avait pas de perspective, en fait, sur ce que je voyais. Vous voyez, je faisais comme ça venait. On pourrait aussi reparler des vêtements, puisque je vais parler des éléments dans les vêtements. Là, il n'y a aucun effet vêtement. J'ai juste repassé un crayon noir pour en positionner. Donc, aussi un travail à faire. Donc, ça, c'était donc du coup travailler un peu la lumière. Autre élément, c'était comment choisir mes couleurs. Donc là, j'ai pris deux, pour illustrer mon propos, j'ai pris des colos en fait de, on va dire, de creepy, sorcières, colos que l'on peut faire au moment d'Halloween. D'ailleurs, je veux absolument cette année retourner dans mon sorcière parce que je l'aimais bien. Et en fait, les colos que j'ai fait dedans ne me plaisent pas du tout. Et du coup, je trouve ça dommage parce que peut-être que maintenant, avec les éléments que je connais dans le colo, je ferai des choses un peu plus jolies dedans. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai pris ce colo que j'ai réalisé en novembre 2020. Pareil. Donc là, alors là, j'ai pris ma trousse de crayon. Allez-y gaiement, on y va, on fait, on s'occupe pas si il y a des couleurs complémentaires, pas complémentaires, machin. On y met toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça serait aujourd'hui. Déjà cette image, ça me fait penser à la famille Addams, donc je la ferai entièrement les personnages tout noirs et blancs et je mettrai plutôt beaucoup moins de couleurs aux alentours et je partirai pas du tout sur ce système. Là. Allez-y, on y allait. Au moins, on pouvait se dire, celle-ci, elle est joyeuse, hein, elle y met de la couleur. Pour illustrer le propos, du coup, j'ai fait beaucoup d'illustrer le propos. Non, mais pour illustrer la différence, j'ai repris le livre là de Cute and Creepy, puisqu'on est aussi sur un coloriage un peu de sorcière. Et là, on n'est pas sur le même type, mais c'est pour vous montrer que là, j'ai réduit totalement ma gamme de couleurs. Voilà. Donc, entre un colo de 2020 et un colo de 2023, voilà ce que ça donne. Si on peut rentrer les deux. Alors, c'est pas pour autant moins gai, mais je suis restée dans une gamme de couleurs beaucoup plus concentrée et beaucoup plus le bleu, le violet. Ce que je regretterais dans cette image, en fait, c'est d'avoir contourné le corbeau. Je dirais que c'était peut-être pas nécessaire. Mais j'ai, voyez, un peu de clarté autour du personnage, un peu plus foncé sur les côtés, mais concentré sur de la couleur. Voilà. Ne pas mettre. Et mon mari me le disait toujours, pourtant il n'est pas du tout dans le colo. Il disait, Virginie, t'as encore sorti tous tes crayons. Et moi, j'avais envie de mettre de la couleur, quoi. Le colo, c'est ça, c'était mettre de la couleur. Mais effectivement, on se rend compte qu'un colo qui est beaucoup plus réduit en gamme de couleurs. Nous apporte beaucoup plus de. Comment vous exprimer ça? Nous fait ressortir vraiment beaucoup plus de sentiments qu'un colo. En plus, on n'est que sur de la plat, hein, vraiment. Hein, là, on a quand même plus de dégradés. Enfin, tout est là. Hein, là moi, je mets l'accent vraiment sur mes erreurs faites par rapport à la couleur, mais il y a plein d'erreurs faites sur celui-ci. Mais il y a 3 ans, donc forcément, tout serait à refaire. Mais c'est pour vous dire que je pense qu'il faut penser
au fait que ouais, on a envie de mettre de la couleur, on a envie de se lâcher sur nos couleurs quand on fait du colo, mais non, pour pouvoir mettre de l'expression dans nos colos, il faut réduire notre gamme de couleurs. Donc j'avais pris ces images-là pour illustrer cet élément. Ce que je voulais aussi illustrer comme propos aussi, c'est le grayscale. Le grayscale, il y a deux écoles. Vous avez la personne qui va vous dire ah ouais, alors toi tu prends du grayscale, ma cocotte, c'est pour te faciliter la vie, t'as pas à réfléchir à poser les ombres, franchement c'est de la facilité, etc. Bah pas vraiment. Pas vraiment. Moi, pour moi, le grayscale, franchement, je me souviendrai toute ma vie. C'est quand j'ai débuté le colo et que je me suis acheté. J'avais envie de travailler les portraits, que je me suis acheté celui-là. Je n'avais même pas vu que c'était marqué grayscale. Et quand c'est arrivé et que j'ai découvert les ilus, je me suis dit, mais mon Dieu. Et sur un groupe de colo, j'avais posé la question et on m'avait répondu, bah forcément, j'avais marqué, je comprends pas mon livre. Il a plein de gris, quoi. Et on m'avait répondu très sèchement, bah forcément, t'as acheté du grayscale. Et là, bon, je vous cache pas que ce groupe de colo, je l'avais quitté en me disant, mais c'est un petit peu agressif comme façon de dire. Vous pouvez pas m'expliquer que grayscale, c'est des ombres déjà mises et que du line art, il n'y a pas les ombres. Donc moi, là, je vous le dis, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous débutez, il y a deux sortes de colo. Je l'ai. Je vais vous en montrer deux qui sont pas des barrés et qui sont tout à fait. Vous avez le grayscale et le line art. Donc ces deux-là, c'est exactement le même livre de Derya Carquisseuil, mais vous avez les colos. Je vais en prendre deux identiques. Si je prends la joueuse de flûte, par exemple, est-ce qu'elle est. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça va rentrer? Voilà. Donc voilà les deux illustrations. Après, celui-ci, c'est grayscale léger par rapport à Proserpina, là. Voilà. Donc, c'est sûr que la personne peut vous dire, ah bah, tu vas la faciliter, là, la nana, t'as déjà mis les ombres. C'est sûr que le nez est beaucoup plus dessiné que là. Hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est vrai que ça peut aider. Mais là où c'est compliqué, c'est quand le grayscale est très foncé. C'est que des colos moches. Hein. Celui-là, franchement, j'ai aucun colo qui me plaît dans ce livre. Mais quand le grayscale est foncé, honnêtement, travaillez ça. Bonjour. Hein. Parce qu'il faut les poser, les ombres. Hein. Et les zones de lumière, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, franchement, celui qui va me dire Ah, t'as pris la facilité en prenant ce grayscale-là, bah franchement, c'est pas évident. Par contre, effectivement, on va prendre. Le grayscale de Christine Caron, qui est beaucoup plus tendre, effectivement, nous aide à travailler les portraits de façon plus. Comment on dirait? Va nous aider à apprendre à poser nos ombres, et ça, c'est cool. Par exemple, voilà mon premier grayscale, voilà quelques années plus tard ce que j'ai fait. Ce n'est pas le même dessin, vous allez me dire. Mais en fait, ici, vous voyez, pour. Alors déjà, les cheveux, je ne vous en parle même pas. Tout est mélangé. Hein. Là, on a l'impression que j'ai fait qu'un aplat. J'ai tout colorié en marron, etc. Mais en fait, on voit bien que là, j'ai essayé de fond. Encore une fois, je n'ai pas pris plusieurs crayons. J'ai essayé de foncer les endroits là. Mais je n'ai pas suivi le grayscale. À la différence de celui-là. Et celui-ci n'est pas encore tout à fait bien. Celui-ci, je l'ai un petit peu plus foncé. Et c'est pas ce que j'ai réalisé le mieux. Hein. Dans Kevin Théouard, j'ai des grayscales qui sont un peu plus finalisés, je pense. Bah, si on reprend mon indienne de tout à l'heure, on reprend mon indienne. Parce que Kevin nous met aussi du grayscale qui est quand même aidant. C'est quelle est mon indienne? Elle est dans celui-là ou elle est dans l'autre? Peut-être dans l'autre. Et voilà.
Voilà. On va prendre. Je ne sais pas si ça va rentrer par contre. Voilà. On va se mettre comme ça. Encore une fois, voilà. Là, on travaille. Vous voyez, le grayscale. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de mettre plusieurs couches et de foncer là où il y a vraiment les zones foncées pour pouvoir ensuite repasser plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on a peur de faire dans les débuts. Quant à là, en plus, les portraits, c'est quand même pas le plus facile. Honnêtement, travailler le portrait, on est vraiment dans des choses assez compliquées. J'avoue que je les ai travaillés de plus en plus au fur et à mesure. Mais voilà, je vais prendre celui-ci parce qu'il est assez parlant aussi. Donc là, je vous sors plusieurs portraits pour vous montrer cette évolution d'utilisation du grayscale plus ou moins clair. Voilà. Vous voyez, les peaux, on voit bien les différences de peau, l'évolution en fait qu'on retrouve par rapport à ça. Voilà. Comment un grayscale qui soit plus léger ou plus posé peut nous aider à mieux poser les ombres. Voilà. Ce qu'il faut penser, alors pareil, vous avez Marine Art qui fait un très très beau tuto peau qui m'a beaucoup inspirée. Alors son tuto peau, il date d'il y a quelques années, mais il est toujours d'actualité. Donc vous avez ce tuto peau là qui vous aide beaucoup. Et sinon, vous avez aussi plus récemment Nabaya Colorista qui vous fait un tuto peau avec les Nyoni. Donc, comme quoi, pas besoin d'avoir les crayons polychromos pour travailler l'effet peau, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Les crayons polychromos, c'est le mieux, etc. Tout le monde ne peut pas effectivement acheter les polychromos. Les Nyoni, comme je vous en ai parlé quand je vous ai présenté sur ma chaîne les crayons, ce sont des crayons qu'on peut avoir à 46 euros. Ou même je crois qu'en ce moment ils sont en promo à 31 euros sur AliExpress, qui vous permet de travailler les peaux. Donc, ne pas hésiter à regarder ces tutos-là si ça vous intéresse, et elles vont vous montrer que vous pouvez... Alors, Marine Art a travaillé aux luminances de mémoire, les peaux polychromos aux luminances, et Nabaya, donc avec les Nyoni, ce qui vous permet de pouvoir évoluer et poser les ombres de plus en plus, et de travailler par couche, de rajouter, d'avancer dans la peau, de bien poser les zones très foncées là où vous avez soit des touches de grayscale, mais vraiment, je ne vous conseille pas ce genre de livre de grayscale trop foncé. Hein. Prenez plutôt un grayscale type Deria Carquisseuil ou Christine Caron, si vous avez envie de commencer à travailler, ou Kevin Théoart, si vous avez envie de travailler les peaux dans un premier temps. Et ensuite, passer au line art éventuellement. Ce qui vous permettrait de travailler. Mais attention, tous les grayscales ne sont pas faciles. Donc, ne vous culpabilisez pas. Si on vous dit, ah mais t'as pris du grayscale, tu fais du... C'est trop facile ce que tu fais. Non, c'est pas toujours facile de faire du grayscale, c'est faux. Vous voyez, j'ai quelques endroits où j'ai utilisé. Voilà. Vous voyez là, le grayscale, en fait, j'ai pas osé aller foncer plus les zones. Donc du coup, on n'a pas cet effet. Vous voyez, on voit bien que là, la peau. Totalement différente. Donc ne pas. Alors, mon prochain insert et mon. Hop, il faut que je le fasse. Donc.
Donc voilà pour ne pas oser foncer sur les zones grayscale. C'est une erreur, il faut oser les foncer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi les cheveux, je vous les ai évoqués, travailler la lumière donc dans pourquoi j'avais travaillé, pourquoi j'avais sorti ça aussi. Ah oui, parce que celui-ci c'était un autre grayscale aussi. Julia Spiri, un grayscale mais beaucoup plus adapté, voyez. Pareil, là, il faut oser travailler les ombres des cheveux. Et donc là, j'ai fait autre chose. Je l'ai travaillé au... J'ai utilisé l'acrylique. C'est la première fois que je le faisais, en fait. Et la peau aux luminances. Et ensuite, j'avais travaillé aux acryliques. Et j'avais fait pareil sur celle-ci. Mais encore une fois, je n'avais pas encore assez foncé mes zones de peau. Donc, ne pas hésiter à foncer. Voilà. Et ce que je voulais évoquer aussi, c'est travailler. Alors, dans le Mythomorphia, c'est un exemple à lui tout seul, puisque j'ai des colos plus anciens et plus récents dedans. Donc, je vais vous montrer deux colos où j'ai travaillé l'eau. Voilà. On va commencer par l'an. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un colo que j'avais fait en 2020 aussi. Et ça, c'est un colo que j'ai dû faire en 2022, je crois. Donc, 2 ans après. Qu'est-ce que l'on peut voir comme différence au niveau de l'eau? Bah, en fait, là, j'ai posé bêtement, pas bêtement, pas bêtement, mais sans trop me casser la tête, on va dire, l'eau. Voilà. Je n'ai absolument pas été vérifier qu'il y avait, alors, par exemple, un rocher, des anémones de mer, quelques poissons, vous voyez. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Alors, j'avais remis hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel encore. Bah, ça, c'était mon truc. Et voilà. 2 ans après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, 2 ans après, je me suis dit, attention, parfois, dans l'eau, quand on s'approche des éléments, eh ben, c'est pas la même couleur. Et on peut faire des différences de teintes dans l'eau. Donc, j'ai travaillé mon fond, mais avec d'autres crayons. Alors, j'ai encore les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, mais en même temps, là, c'était voulu pour le coup, parce que je voulais que ressortent donc les ruines au fond de l'eau, mais que les éléments, parce que bah, dans le fond de l'eau, on peut avoir effectivement des murènes d'une couleur, un cétacé d'une autre couleur, quelques poissons néons, voilà. Donc ça, c'était voulu. Alors, mes petites... j'aurais pu faire autrement. Hein. Ce serait aujourd'hui encore, vous voyez, une évolution. Je ferai mes méduses d'une autre couleur. Mais, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était de se dire... que, alors, en plus, l'avantage de Kirby Rosane, c'est qu'il nous aide, justement, toujours avec ses ombres. Kirby met des ombres hein, pour aider à les poser. Donc... l'idée, c'était de dire, eh bien, attention, à certains endroits, on peut foncer l'eau. Et effectivement, entre cette scène aquatique et celle-ci, il n'y a pas photo. On a vraiment une différence de dégradé. J'aurais pu, vous voyez, faire plus clair par ici et longer ma tortue et faire des ombres, des zones plus ombrées, d'un bleu différent et plus fondu. Donc ça, c'était l'autre erreur que je trouve que je ne savais pas faire. Et si on en prend une autre dans... on va prendre par exemple 2 monstres. J'avais le minotaure là et celui-ci. Par rapport aux monstres. Bon, je ne vous parle pas des serpents, hein, qui n'ont pas de... mais vous voyez, là, j'ai travaillé à peu près sur un vert pour faire à peu près pareil que là. Mais là, bah pareil, utilisation de plusieurs crayons, un fondu à certains endroits pour faire des zones
plus clair, alors que là, j'ai fait de l'aplat. Et pour marquer mes zones plus sombres, j'utilisais un Posca noir. Mais en fait, je trouve que ça dessert complètement le personnage et il est au même niveau que tout le reste. Donc, on voit bien que en évoluant, en travaillant, on parvient à faire différentes choses. Donc, le résumé de certaines choses, c'est quoi? C'est ne pas oser, ne pas avoir peur, pas ne pas oser, mais ne pas avoir peur d'utiliser trois crayons totalement un foncé, un moyen et un totalement clair pour pouvoir se positionner sur des colos et donner un effet plus intéressant. Ne pas utiliser, ne pas avoir peur d'utiliser, pardon, du blanc ou du feutre à alcool pour travailler ses dégradés. Faire attention à ne pas utiliser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un même colo. Ça dessert le colo. Voilà. Donc là, on a encore un exemple de colo où c'est dans les débuts, hein, je voulais mettre toutes les couleurs. Non. Prendre une palette réduite et travailler avec cette palette. Alors, ce que certains font, alors par exemple là, vous voyez, cet exemple où j'ai réduit ma palette. Je suis restée pour ressortir l'animal. Je ne montre pas des colos en disant c'est les plus beaux du monde. Hein. C'est pas ça. Hein. Parce que celui-ci, il y a tant à redire et à refaire. Hein. Vraiment, il y a plein de choses à. Puis quand j'ai vu les versions, notamment de Simone Color qui a fait cette version, parce que c'était dans le cadre du trio colo, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup encore à apprendre. Mais comme je suis en plein apprentissage, eh ben, autant vous dire tout de suite ce que je ne referai plus et comment je les ai abordées, ces erreurs. Comment je suis en train de vous dire? J'ai utilisé du marron, du bleu gris et juste du rouge pour la note des lampions. Tout le reste, je suis restée dans une gamme de couleurs à chaque fois restreinte. On retrouve ce jaune-là ici. Les bleus, j'ai pris toute une palette de bleus différents. Au fond, c'est du gris, mais c'est du gris bleuté. Le jaune, je l'ai éclairci et je l'ai mis dans la boule de lumière. Là, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, c'est que c'est une boule de lumière, donc j'aurais dû travailler et faire cet effet, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, avec la lune qui ne réverbérait pas, et par rapport à mes lampes de bureau ici, ça aurait valu que je fasse, que je mette du jaune pour dire cette boule. Ça peut être une boule de lumière qui réverbère. Et ben, je ne l'ai pas fait. Donc, encore quelque chose qui aurait pu être fait. Mes lampions, j'ai pris le parti de mettre de la paillette. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est éclaircir le centre, faire comme si il y avait de la lumière dedans et travailler la réverbération des lampions ailleurs. Vous voyez, tout est question de retravailler à chaque fois. En fait, chaque colo que vous faites, s'il y a une erreur pour vous, entre guillemets, vous dites, bah, la prochaine fois, je ferai différemment. Donc, la prochaine fois que j'aurai ce style de colo à faire avec une boule de lumière, je ne referai pas la même erreur. Là, je réfléchirai en disant, ah, attention, là, on est sur une boule de lumière, on va pouvoir faire une réverbération. Voilà, c'était ça l'idée. Que dire de celui-ci où il y a encore toute cette palette de couleurs, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas d'effet dans les vêtements. Voyez? Ça, voilà. J'ai essayé de faire des effets, mais toujours avec mon Posca noir. Non, non, non. Il aurait fallu que je fasse plus foncé, que je prenne par exemple trois roses, et que je fasse plus foncé, et que là où il y avait des effets, c'est là où je blendais et que je mettais un peu plus de éclairci. J'espère que vous comprenez les éléments que je voulais vous dire. Et la dernière illustration que je voulais vous montrer, c'était aussi ces portraits. Pourquoi ces portraits? Parce qu'on est à peu près sur la gamme, même gamme de couleurs. On est sur du totalement début de mon colo. On le voit. Hein.
Le visage, il n'est pas du tout travaillé. C'est des, on voit hein, les traits de crayon. Les cheveux, j'avais voulu faire un roux. Vous voyez la différence entre ce roux-là et ce roux-là? Eh bien, elle est simple. C'est que j'ai utilisé, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, trois crayons polychromos pour celui-ci. Là, j'ai juste pris du roux et un crayon marron pour faire les traits, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser plusieurs crayons. On voit l'effet vêtement aussi ici, qu'il y a de l'amélioration. Là, le vêtement, j'ai envie de vous dire, j'ai posé du rouge, j'ai contouré avec un crayon un peu plus foncé pour les... Et j'ai pas du tout fait de dégradé ou quoi que ce soit. C'est vraiment à plat et là, travailler un peu plus. Et pourtant, vous voyez, on a un peu ce type de choses. Mais là, j'ai choisi de prendre plusieurs types de verres, de les travailler, de les foncer, de foncer là où il y a des traits pour faire un peu plus le mouvement du vêtement. Et de vraiment là, par contre, prendre un stylo gel et travailler les fleurs. Qui aurait pu être fait de la même façon. Ce serait intéressant d'ailleurs de. J'aime pas reprendre mes colos et de recolo, enfin, de coloriser un colo que j'ai déjà fait. Donc je ne la reprendrai pas. Mais ça pourrait être intéressant de voir comment je la réaliserai maintenant. Un, parce que là, c'est un léger grayscale un peu comme celui-ci. Donc, j'aurais pu retravailler différemment. Et surtout, travailler mes cheveux de la même manière. Puisque c'est un léger grayscale aussi. Donc, utiliser le même roux. Et la même luminosité avec mon crayon blanc de chez Derwent, mon drawing, et un jaune orangé au milieu pour vraiment montrer les effets lumineux. Voilà. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous en termes de qu'est-ce que j'ai fait avant que je n'en ferai plus maintenant et peut-être que ça pourra vous aider. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura fait comprendre les éléments que j'avais envie de vous évoquer, vous montrer mes, j'aime pas dire erreurs, mais mes débuts sur lesquels je n'osais pas. Mes non-osages, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mes peurs face à un colo. Ce que je dois encore améliorer, parce que je vous ai montré ce que j'avais amélioré en 2 ou 3 ans, mais on n'est pas arrivé à ce que je veux faire. Et donc, je vais accentuer encore toutes ces choses et continuer de les travailler, en tout cas. Donc, j'espère que vous travaillerez ces éléments avec moi. Vous me direz si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé. Et si j'ai pu éclairer vos lanternes sur certaines choses que vous faites quand vous êtes débutante. Voilà. En tout cas, sachez que je suis moi-même débutante. 3 ans, je ne peux pas considérer que je suis une coloriste hors pair. Mais je tente chaque jour et à chaque colo d'améliorer certains points et de les travailler. Je ne regarde pas forcément beaucoup de tutos, je dois l'avouer. Peut-être que si je mangeais énormément de tutos, j'irai plus vite dans l'amélioration, mais j'ai envie aussi de laisser mon cœur me dicter certains faits. Et j'ai aussi des copines, comme ma copine Joëlle, qui est assez fortiche en portrait, faut l'avouer. Elle me met ça à chaque fois qu'on fait un duo, mais à chaque fois que je lui montre, elle a l'honnêteté de me dire, Virginie, fonce plus à cet endroit, mets plus d'ombre là. Et elle m'aide énormément et pour ça je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur mes erreurs en aquarelle, j'ai ma copine Mélissa qui m'aide beaucoup pour ça. Donc merci, merci. Merci aux personnes qui ont l'honnêteté de me dire les choses sur ce que je fais bien ou pas bien ou ce que je devrais améliorer. Et la dernière personne que je voudrais remercier, c'est pour notre duo qu'on a fait là tout dernièrement, où j'étais partie en galère sur le visage. C'est simple, de toute façon, il est posté, donc je peux le montrer. C'est d'un Nel Koneko. Donc je vais remercier Marie, qui m'a vraiment. J'étais vraiment très très mal barrée sur mon visage. Alors on n'est pas sur du grand art, hein, mais
Voilà. J'ai galéré sur mon visage, mais galéré de ouf. Il était vraiment très, très raté. Vraiment, ça ne donnait pas ça. Et elle m'a conseillé de gommer, de reprendre à certains endroits. Et honnêtement, il a donné plus quelque chose qui me plaît mieux qu'au début. Donc, merci Marie pour tes conseils précieux. Vous voyez, là, je ne suis pas du tout contente des cheveux. Hein. J'ai vraiment pas appliqué les effets de luminosité, mais j'avais envie de travailler un blond différent. Et j'ai pas foncé aux endroits que je voulais et j'ai pas éclairci assez aux endroits que je voulais. Donc, cheveux à travailler. Voilà. Donc, merci Marie pour la peau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker si elle vous a plu, bien entendu, mais surtout commenter et me dire quels sont les éléments qui vous ont interpellé ou pas interpellé, quels sont les éléments que vous faites ou que vous ne faites plus, quels sont les éléments que vous faites mais que grâce à cette vidéo vous ne ferez plus. C'est intéressant de savoir. Donc, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.